nous avons notre invitée d'honneur. C'est la jeune dame qui vient d'Haïti et qui représente trois pays et pratiquement trois continents. Amérique, Afrique et on va dire Asie. Parce que Haïti, c'est une partie de l'Afrique. Vous savez que la première liberté des peuples noirs, c'était là-bas, en Haïti. Donc on va déjà les applaudir très 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 fort. Ce sont ses origines à elle. Et c'est une dame qui vit à New York. C'est dire si le chemin a été long pour venir, tout autant que Madame Géo Collection, qui est venue de Miami. Eh bien, elle n'a pas hésité, quand on lui a parlé de Saint-Louis, à venir, parce que quelque part, quand on vit à Haïti, on a envie de connaître Saint-Louis. Il y a tellement de similitudes. L'histoire les rapproche tellement qu'aujourd'hui, elle est fière de venir vous présenter sa collection. Une collection qui est très inspirée, avec beaucoup de couleurs, contrairement à Géo Collection. Elle est plutôt sur l'assemblage des tissus, des couleurs. Elle va vous présenter une collection exceptionnelle. C'est notre invitée d'honneur. Vous allez l'applaudir très 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 fort, s'il vous plaît. Il faut l'encourager, parce que le voyage, non seulement a été long, mais en plus, je tiens moi particulièrement à ce qu'elle parte avec le meilleur souvenir de Saint-Louis et de ses origines. Merci beaucoup d'applaudir Shefa. Shefa d'Haïti, Haïti, l'Afrique, les États-Unis et le monde entier à travers sa collection. Alors c'est très agréable, elle habille les jeunes, les moins jeunes, et regardez sa collection. C'est très fashion, c'est très frais, c'est très actuel. Et après les boubous des grandes dames, eh bien on a le plaisir d'apprécier des modèles. Pour les jeunes aussi, les moins jeunes, et surtout, tous les continents sont représentés. Applaudissez s'il vous plaît, musique! Haïti, c'est le carrefour des cultures. Hein. Aussi bien la musique, la cuisine, la mode. La musique vient d'Haïti. La collection s'appelle Sunset Safari, puisque ces modèles sont très inspirés du safari, l'Afrique donc. Sunset Safari, collection Shefa. Haïti chérie, à travers les modèles. Des modèles très fleuris que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. La simplicité est très fashion, qui habille toutes les filles. Des modèles inspirés de Safari. La collection d'ailleurs, c'est Safari Sunset. You better work this.
Et le dernier modèle apprécié, mesdames, messieurs, vous allez retrouver tout ce qui va vous faire penser à l'Afrique, à la ville de Saint-Louis, à Haïti, la richesse dans la diversité culturelle. Allez, vous allez taper dans les mains pour les accompagner. Allez, on y va. On tape dans les mains pour le final, s'il vous plaît. Et on met une ambiance de folie. Chefa. Sunset à Paris. Évidemment, ici, c'est la liberté. Première nation noire. Allez, allez. Notre invité d'honneur ce soir, Chefa. Chefa Couture. Haïti the place. On tape dans les mains s'il vous plaît. On se lève, on tape dans les mains. Allez, allez, tout le monde se lève, tout le monde se lève. Chez sa collection, vous avez offert ces super modèles d'Haïti. Ah, si c'est pas beau ça. Gardez, gardez, gardez-moi ce drapeau, je vais venir à ses côtés. Merci. Vous êtes levé, j'espère quand même pour l'applaudir. Je vous en remercie vraiment. Je vais garder le meilleur souvenir possible de ses origines, parce qu'elle est peut-être originaire de Saint-Louis. On ne sait même pas. En tout cas, oui. Non, non, il n'y a pas de question à poser. Elle est très timide, elle n'aime pas beaucoup parler, elle s'exprime plutôt par ses modèles que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, madame, je sais pas, vous êtes l'invité d'honneur. Nous avons eu le plaisir d'apprécier vos modèles. C'est très frais, c'est agréable, c'est très coloré. C'est beaucoup d'assemblage de tissus. Et ça, c'est une inspiration quand même. Qui ressemble un petit peu aux grandes robes de chez nous, n'est-ce pas? Ouais, les signards, les doquettes, les grands boubous. Eh bien, vous voyez, en Haïti aussi, on a tout cela. L'Haïti, c'est plusieurs pays en un, comme on a dit. Il y a l'Afrique, à travers les cultures, à travers également la musique, qu'on a eu le plaisir d'apprécier tout à l'heure. Et ce soir, vous nous avez amené un bol d'air rafraîchissant et un bon...